aujourd'hui, c'est une des 4-5 meilleures équipes du championnat de France, à coup sûr. Donc voilà, on a fait un bon match aller. On a fait des erreurs à la fin qui nous ont coûté cher, mais on avait su se hisser à leur niveau au match aller. Maintenant, il va falloir qu'on fasse un très gros match pour prendre des points. Et je pense qu'on est capable de le faire. La clé, je pense qu'il va falloir qu'on soit équilibré, il va falloir qu'on soit solide et puis efficace. Pas d'autres. J'ai revu le match aller. Parce qu'on avait manqué aussi d'efficacité, parce qu'on aurait dû faire le break bien avant que Marc ses deux buts. Donc voilà, quand on a des équipes comme ça, il faut qu'on soit quasiment parfait. On ne peut pas nous se permettre de faire des impasses sur des matchs. Donc tous les matchs, il faut qu'on soit à fond jusqu'à la fin. Et puis on fera le bilan. On avait dit qu'il n'y a pas besoin d'être un sorcier pour savoir que ça allait être difficile. On avait dit en début de saison, je pense que on a bien débuté, donc tout le monde pensait que c'était parti. On allait presque être européen à la fin de saison. On est à notre place. Hein. On est à notre place et il va falloir qu'on lutte. On savait qu'il faudrait qu'on lutte. C'est un avantage, je pense, sur certaines équipes où nous, on savait dès le départ qu'il fallait lutter. Les avantages, c'est qu'on est peut-être parti trop vite. Donc voilà, là, les choses sont claires. Les choses sont claires. On va lutter. On va lutter et puis voilà, sans perdre ce qui fait notre force, sans changer de philosophie de jeu, on va avancer et j'espère se maintenir.